Tu t'en fous pas de nos blocs, un avenir tout sale, tout comme l'époque. Toujours serein quand y'a les portes, tout dans le garçon, un dans les poches. Pas les couilles de rapper comme eux, veulent déjà tous rapper comme moi. Tous les jours c'est celui de la paix, et ton complet tu fais dans le monde. On est mal aimé, maudit. C'est le cas, t'es là. Ah, exactement. Si tel est le cas, on confirmera avec Nanako que ça ne change rien. Merde, j'ai pas eu de chute. J'ai pas trouvé de chute. J'ai rien compris. Je suis alcoolisé. Tu me fais mal au crâne. Je vais pas te mentir. Hein. Tu parles juste en fait, un tout petit peu plus rapide parce que je suis. Non, mais c'est simple. Il vous dit que là. Non, mais j'ai compris. En gros. C'est... Ouais, Chris, t'es bientôt là ou pas? On a un truc à faire. Ouais. C'est mieux qu'on se regroupe, qu'on monte dans les mêmes véhicules et tout. Venez comme ça. Bradley, monte avec moi, Bradley. Sérieux les gars, je suis désolé vraiment. Et le rendez-vous, c'est pourquoi? Ça a discuté, mais ils sont partis tout seuls. Mais je crois que c'était pour voir s'ils vendaient des armes. Ok, vous en avez acheté? Ils sont allés tout seuls. Vous en avez acheté ou pas? Ouais, je crois que vous en avez déjà pris une à notre réfé, il m'a dit. Ok, ils avaient quoi comme type d'armes? Ils ont proposé quoi? Mais je sais pas que t'es pas au courant. Non, mais je t'ai dit ce que je savais, là, de ma mère. À chaque fois, le réfé, il part avec un blond et un autre. Et il s'écarte, et il part. Il part pas devant les soldats, tout ça. Là, de ma mère, c'est vrai. Ok. Et après, on a eu un autre rendez-vous, je crois. C'était quand? Je sais pas pourquoi, ça. Mais c'était... Je suis pas y allé. Que le réfé, il allait. C'était au Yellow Jack. Ils viennent souvent dans votre quartier? Non, jamais. Les rendez-vous, ils se font tout le temps au nord. Je les ai vus deux fois, c'est tout. Donc les rendez-vous, ils se font au nord, c'est bien ça? Tu m'as dit quoi? Les rendez-vous, ils se font au nord. Ils viennent pas chez vous. Est-ce que ton chef dit des choses sur nous? Au biker? Attends, il a pas fait du bénévolat, tu connais, donc... L'écoute, l'entreprise elle est en faillite, c'est une défaite totale. Ah, c'est pas mon problème. Elle a fermé 4 jours, y a pas un dollar, y a pas un rond. Ah ouais, mais est-ce que, man, c'est pas mon problème, Juice, il est là tous les soirs, tu vois, même si là, il a fait un truc... Et il était là nulle part, il a fait deux réparations. Mais là, mais j'ai réparé plein de temps, j'étais tout seul devant. Mais demande, y a même un mec qui l'a dit, t'es un mécano de fou, je reviendrai que pour toi. Eh, je lui ai fait une réparation je réparais trop bien, je te jure. Eh, ça se fait pas, je te jure, je réparais trop bien. Je faisais les trucs trop bien. Bref, moi, ce que je te demande. Je nettoyais même les voitures, je leur faisais payer le nettoyage, tout. Bref. Moi, ce que je te demande juste, man, c'est... Vous avez entendu? Ça a fait un bruit de... Quel unicorn! Ça a fait un bruit de... Ah, il sait se battre, lui, hein. Tu puta madre. Ok. T'as vu que tu sais parler espagnol? Non, j'ai répété ce qu'il a dit. Ok, on se pète. On prend photo. Je prends photo. Vas-y, prends photo. Non, pas pendant une scène importante, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Arrête de stresser, ça va Mathieu, t'as des grosses couilles, arrête ton cinéma. Arrête Mathieu, s'il te plaît. T'as vu, au bureau t'es venu, t'as fait les grosses couilles avec moi et là maintenant tu fais le mec qui flippe. Vas-y, lève-toi Mathieu, s'il te plaît. Mathieu, arrête, allez. T'as un mec... sur la vie de ma mère, j'ai leur coaché, je vais demander une rançon de 10 000. Allez hop, joue avec mes couilles. Vous m'avez laissé. J'arrive. Opération, je vais tous monter bientôt. Pas travailler avec nous, en plus, ces fils de chien. Vas-y. Bon. Lentilles rouges, enlève les lentilles, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Enlève ton gilet. Ouais, j'ai crédibilité. Pour une fois que je suis d'accord. T'es OG. Même moi, je suis d'accord. Tu nous mets des lentilles rouges. Même moi, je suis d'accord. Lui, c'est qui, lui, en fait? Mais bon, t'as tatouage de Bayal, n'oublie pas quand même. Curly Hair. Comment c'est qui?
Commence toi, on va vous terminer bêtement. Moi c'est Seven, moi. Seven. On a même pas le temps, je te dis la vérité. Ça va le moyen. Ça va le moyen. On a même pas le temps, je te dis la vérité. Bref, sur ce, force à vous. Que ça passe pas en guerre, hein, c'est mauvais pour. Sur le terrain, je dois rester actif là, Ken, j'oublie pas de préserver tes mains. À la barre, dans ton gros baguette là. Tu allais me dire quoi? T'as déjà pensé à quitter les Yakuza ou pas toi? Non. Ok. Et toi? Non. Mais et t'as déjà pensé à. A tuer Kakao par exemple? Non. Et toi? Non. Et t'as déjà pensé à tuer Kakao pour récupérer le lit des Yakuza? Ah vraiment pas, je n'ai pas les épaules. Ah. Et toi? Non. Ça fait beaucoup de questions bizarres. Hein. Et t'as déjà pensé à niquer avec Kakao? Non. C'est ma tante. Ok. Et toi? Non. C'est pas cette voiture? Si, mais ils en ont plusieurs, frérot. Ah, fallait noter la plaque. Mais c'était la même. Ouais, c'était la même, mais ils en ont plusieurs. Par contre, je sais plus où j'ai mis ma moto. Je l'ai garée où quand je suis arrivé? Allez, là, attends deux secondes, je vais récupérer ma moto. Allez, à l'unicorn. C'est elle? Ouais, c'est elle. Aïe, maquette. Sa mère. Ils sont jamais là. Je vais réveiller leur daron, ça va le faire tout droit. Y'a personne. Les gars, il y a Sergio des marins, il veut savoir pourquoi il s'est fait virer. Ouais, bon, on peut parler aussi de ta grand-mère, la pute aussi, qui t'a pu tous les soirs. Putain, mais tu sais, regarde tes baskets, ça va. T'as 8 ans, tu t'es les mères, vas-y, ferme ta gueule un peu. C'est pas les mères, c'est les grand-mères. Jure, Alvaro, œil crevé, mature. Baisse ta mère, bref, je t'arrache ta mère. Je baisse pour, j'enlève la capote. Ma mère, t'as des poils de cul sur le côté des. Pourquoi ils sont heureux aussi? Ortega, viens. On prend ta coupe. Il y a Sergio des Mara là. Ouais, je sais, il est là, ma gauche. Bref, on s'en fout. Ouais, je suis là, on m'entend. Bon, on t'entend, t'entends. Comment il y a quoi? Il est à ton bureau. Ah, j'ai cru qu'il était là dans vous deux. Là, dans le bureau. On arrive. Aïe. Casse le garage. Tac. Il se prend en photo pendant un contrôle de police. Ah, il casse les couilles. Comme Sergio. Pourquoi il y en a un, il est là, il sombre avec l'autre. L'autre en est crevé. Il est où le chef là? Il est pas là. L'imam. Vous dites c'est un imam, il est pas imam. Je sais pas, il a une dégaine, c'est tout sauf un latino. Parce qu'il a une barbe. Mais c'est comment, vous êtes calibre ou quoi? Dites-nous, entre nous là, on est ensemble là, y'a rien, non. C'est secret. Moi, secret. Moi je vois rien, je sais rien. Mais c'est un secret, on va pas le dire. Mais même si c'est un secret, je sais pas. De toute façon, avec vos dégaines, ça vous êtes pas armé. On serait armé, on aurait déjà. Ouais, bien sûr, c'est des salopes, vous allez rien faire. On est des grosses salopes. Oh, on ne t'habite pas dedans, ils nous insultent pour qu'on. Mais tout le monde a compris, je crois qu'il explique. Ah non, ouais, mais t'inquiète pas. Tu crois qu'ils ont pas compris? Allo, Kratza, viens de me répondre. Tiens, comme par hasard, quand on arrive. Ça m'a répondu quoi? Quoi? Non, j'ai pas envie. T'as pas envie de quoi? Qu'on se voit. T'as vu, je t'ai dit quoi? Elle, sa sœur, Driss et moi. T'as vu, je t'ai dit quoi? C'est un manipulateur, c'est un affabulateur.
Il est sournois, il est vicieux, il est fourbe. C'est un snake. Il a du venin quand il parle. C'est ce que tu veux, mais par contre, elle m'a jamais dit j'ai pas envie de te voir. Hein. C'est une première, là. Mais c'est une exclusivité Amazon Prime, là, je te le dis. Moi, j'arrive, je lui tarte sa mère, hein. Comment ça, j'ai pas envie. Eh ben, on va y aller, vas-y. On va y aller, tu vas régler ça. Tu vas régler ça. Le patron, et nous, on trois patrons. À la chicha sous ballon, tu te parles, tu racontes que des...